C'est important, c'est ça qui fait la vie d'un club. Et ça, c'est... Oh, c'est beau, c'est... Oh, c'est beau. Et c'est primordial aujourd'hui de pouvoir se rencontrer au moins une fois par an. Donc ça s'est pas fait depuis un petit moment. Et peut-être que si ça fonctionne cette année, on a la chance d'avoir le beau temps. Peut-être qu'il y aura des versions un peu plus longues encore. Avec la sortie d'une nuit, pourquoi pas. Enfin bon, en tout cas aujourd'hui, une très belle matinée, il n'y a pas eu beaucoup il y a eu un petit problème, bon Jean-Paul peut en témoigner, mais normalement c'est après le repas qu'on a un problème, si tu l'as eu avant. Ouais. En tout cas, c'est sans drame, donc et c'est tant mieux. Rapidement après le café, on va repartir pour 15 ans, j'espère. Alors, on va faire quelque chose qui va être sympa, c'est qu'on va faire une randonnée open maintenant. C'est-à-dire qu'on fait un seul groupe. Allure libre. Et les groupes se feront au fur et à mesure de la sortie. Les groupes se feront sur le groupe d'effort. Ils vont se faire. Les groupes se feront. Souffriront aussi pour ça. Et je peux vous dire que certains groupes là-bas, d'un groupe de gauche qui rigolent beaucoup, rigolent parce qu'ils sont tellement fatigués qu'ils pensent qu'ils ont du mal à suivre certains de vos groupes. Merci. On va se ménager pour l'après-midi. Après, dernière chose, et après je vous laisse prendre le café et on repart. Et aussi la photo quand même, la sieste. On va faire dehors. La sieste, et le club vous paye un pot. À l'arrivée au club, après là, on va prendre la douche, je pense que ce sera mieux. Ouais. Parce qu'on repasse. Enfin, il risque d'y avoir 10 minutes à 40 heures d'écart entre les premiers. Donc, on va dire entre 6h et 6h15, on est mieux au club, quoi.